Да, я действительно имею хорошие новости. Хотя моя книга идет чрезвычайно трудно, разбиваясь о тупую кирпичную стену политкорректности очень часто, но все-таки постепенно политкорректность уступает, и кажется, мы впервые дожили до упоминания книги в документальном фильме. Oui, et la deuxième nouvelle, cette fois-ci, on est arrivé à Paris. Parce que même si le livre rencontre toujours ce mur du politiquement correct, on peut espérer pour la première fois d'entendre parler du livre Mosquée de Notre-Dame dans un film documentaire. Что особенно меня радует, в фильме будут сцены с актерами немножко на 10 минут. Посвященные, взятые из текста книги, и я надеюсь, что это первая ласточка, а дальше мы уже будем говорить об экранизации когда-нибудь, может быть, скоро. C'est pour la première fois, et ça me réjouit beaucoup, on verra dans ce film quelques scènes avec des acteurs, des scènes tirées du livre, des scènes de fiction. Et c'est la première hirondelle qui, espérons-nous, fera le printemps, et que plus tard, on entendra parler du vrai film tiré du livre. Film будет посвящен не только мечети, но общей проблеме исламизации Европы. Le film n'est pas consacré spécifiquement au roman La Mosquée Notre-Dame. Il va parler du problème de l'islamisation de l'Europe. Хотя на мечети будет сделан большой акцент. Bien que, bien entendu, un accent très important sera mis sur l'Europe. Потому что она является объединяющим символом для всех европейских стран. Parce que ce livre, c'est un livre fédérateur pour tous les pays d'Europe confrontés au même problème. Даже тех стран, которые еще об этом не знают. Même pour les pays qui ne s'en sont pas encore. Donc, quand est-ce que le tournage doit avoir lieu et quand est-ce que la diffusion doit avoir lieu? Когда будет съемка и показ? Съемка в Париже в августе. Показ, я надеюсь, будет сделан фильм к концу года. И я надеюсь, что его можно будет увидеть во Франции. Les films seront tournés à Paris au mois d'août et à la fin de l'année 2010, j'espère qu'on pourra voir ce film en France. Très bien. Alors, est-ce que vous avez entendu parler en Russie des prières musulmanes dans la rue en France et à Paris notamment? Et qu'est-ce que vous en pensez? Слышали ли вы о России, о молитвах на улицах в Париже, во Франции? И что об этом думают в России? Безусловно, слышали, потому что процессы идут одни и те же. Oui, bien entendu. On en a entendu parler parce que c'est le même processus dans les deux pays. Нам пытаются официально говорить о том, что Россия отличается от других европейских стран, потому что мусульманские завоеванные и некогда мусульманские страны входили в ее состав. Le discours officiel veut dire que la Russie est différente des autres pays parce que les nations musulmanes en nous faisaient toujours partie. Но это, конечно, абсолютно не так. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Мусульманские народы, входившие в состав России, жили компактно в своих местах проживания. Les peuples musulmans qui en fait rentraient dans la Russie, ils avaient toujours leur lieu d'habitation bien précis et bien compact. Москва, например, никогда не была мультикультурным городом. Moscou n'a jamais été une ville multiculturelle, multinationale. А сейчас москвичи очень озабочены происходящим. Et maintenant les moscovites sont très très préoccupés par
par ce qui se passe. Потому что когда происходят праздники мусульманские, то приостанавливается движение, на улицах страшные толпы, давка вокруг мечетей. Parce que pendant toutes les fêtes musulmanes, la circulation s'arrête. Il y a des foules énormes dans la rue concentrées autour des mosquées. И перед мечетями режут баранов. Люди, особенно люди с маленькими детьми, возмущены тем, что дети это видят. On égorge les moutons devant les mosquées et les passants qui passent avec des petits enfants, ils sont tout à fait révoltés par ce qui se passe et par ce qu'ils voient. То есть картина меняется на глазах, и поэтому естественно русские интересуются тем, что происходит в других странах. La ville change beaucoup à vue d'œil, hein, et les Russes s'intéressent beaucoup aussi par ce qui se passe dans d'autres pays par rapport à ce problème. Très bien, merci beaucoup.